considérations quotidiennes de chef et de chef d'entreprise, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de notre quotidien. L'alimentation, c'est des gestes de consommateur, c'est des gestes de décision et de savoir quelle bille on a envie de mettre sur quel édifice. Donc voilà, à mon niveau, à mon petit niveau, j'ai fait le choix de faire attention à l'utilisation de la viande, à l'utilisation des plastiques évidemment, et aussi des partenaires avec lesquels on travaille, donc évidemment les mines de Rungis, mais aussi des agriculteurs, des maraîchers, des éleveurs en direct. Donc c'est des petits gestes, mais petit à petit, on essaye de faire avancer les choses dans le bon sens. On a peut-être mis un peu en avant une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de réfléchir le restaurant et la façon dont on consomme aussi. Je serais ravie si ça peut donner des idées, si ça peut être reproduit, si ça peut inspirer les gens, de continuer à développer des relations de travail comme on peut avoir avec le mine de Rungis par exemple, pour aller dans ce sens-là. C'est des petites actions, mais c'est avec des petits ruisseaux qu'on fait des grandes rivières. Et aujourd'hui, à Giverny, de voir toutes ces entreprises qui sont là à vraiment déployer des vrais moyens humains, économiques aussi, pour essayer de faire bouger les choses, c'est plutôt encourageant et je trouve ça vraiment hyper fascinant de voir à quel point les nouvelles générations, les jeunes, sont investis, sont pleins de convictions et pleins d'énergie et avec des jolies initiatives. Donc c'est un bel endroit pour justement échanger et être plutôt rassuré sur le fait qu'on a fait à peu près les bons choix.